Je vais vous expliquer comment choisir votre tenue de voile. Il faut que votre tenue vous maintienne au chaud, au sec et vous apporte une bonne liberté de mouvement. Les vêtements de bateau doivent se choisir avec soin, en respectant le principe des trois couches et en évitant les vêtements composés de laine ou de coton. La couche 1, composée des sous-vêtements de bateau respirants. Par temps chaud comme par temps froid, il est indispensable de vous équiper de sous-vêtements techniques en fibres synthétiques qui évacueront la transpiration. La couche 2, qui se compose de vestes soft-shell et de polaires isolantes. Pour permettre à votre corps de se maintenir à la bonne température, il est important de l'isoler tout en lui permettant d'évacuer la transpiration et l'humidité. Les polaires déperlantes ou les soft-shell portés sur des sous-vêtements s'adapteront à l'intensité du froid et du vent pour garantir l'équilibre thermique de votre corps. L'avantage d'une soft-shell est que son composant est coupe-vent, ainsi vous pouvez la porter comme une couche 3 lorsque le temps le permet. Et enfin la couche 3, qui est composée de vestes cirées et salopettes imperméables pour une protection maximale contre les éléments extérieurs, même dans les conditions les plus difficiles. Ces vêtements de bateau sont des éléments indispensables de votre équipement à adapter à votre pratique. Pour une pratique amateur et par temps clément, vous pouvez adopter un ciré. Choisissez une veste imperméable et respirante pour vous protéger du vent et de la pluie. Pour une pratique sportive en haute mer, munissez-vous d'une veste à fort indice d'imperméabilité et de respirabilité avec une capuche technique à différents niveaux de réglage. Pensez aussi à la salopette qui est un vêtement indispensable lors de la pratique par conditions dégradées à intenses. Elle vous protégera parfaitement de l'humidité tout en permettant une grande amplitude de mouvement. Pour finir, complétez votre tenue avec des accessoires tels qu'un chapeau, un bonnet et des gants. Trois modèles de gants s'offrent à vous. Par temps chaud, choisissez les mitaines pour protéger vos mains. Par temps froid, privilégiez les gants deux doigts coupés qui vous permettent une meilleure préhension des cordages. Et par temps froid ou très froid, optez pour ceux en néoprène qui vous apporteront un meilleur confort thermique.